Bonsoir tout le monde, bienvenue sur le live. Alors j'ai un tout petit peu de retard, le temps de m'occuper de ma petite crevette et de la mettre au dodo, donc voilà, mais je suis là. Alors je vais attendre un petit peu que ça se connecte. Donc ce soir on va faire une recette assez sympa et assez rapide aussi. Puisqu'on va faire une lasagne à la béchamel au camembert. C'est une lasagne avec des légumes aussi et du jambon. Donc, première chose, j'avais dit, voilà, moi je vais rajouter de la viande hachée et tout, mais je pense que quand j'ai choisi la recette, j'étais pas réveillée parce que j'avais pas vu qu'il y avait du jambon. Et donc du coup, en faisant mes courses hier, je me suis dit, bah, en fait, il y a du jambon dans la recette, donc c'est bon. Donc du coup, j'ai acheté de la viande hachée que j'ai mis au congélateur et ce sera pour une recette ultérieure. Donc voilà, parce que les petits dés de jambon me conviennent parfaitement. Voilà, je vois que ça commence à se connecter. Coucou à tous ceux qui arrivent. Alors, premièrement, c'est une recette... oui, je me grandis un petit peu pour essayer de mettre mon ventre au-dessus de l'îlot central parce que sinon il vient contre et ça commence à me faire mal. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc c'est une recette qui ne nécessite pas le Friends. Cependant, pendant que j'étais occupée de préparer, je me dis mais clairement là c'est l'occasion d'utiliser pour accélérer la recette et donc pour vous montrer aussi de nouveau des recettes où à la base il n'est pas prévu vous montrer l'utilité d'avoir le Friends au quotidien. Donc voilà. Donc tout de suite on va commencer. Il y a juste une seule étape qu'on va pas faire, c'est qu'en fait hier en faisant mes courses j'étais doublement pas réveillée puisque quand il a marqué, sur mon application, donc quand j'ai fait les courses avec Cookie Too, il a marqué du camembert en morceaux. Bah, j'ai acheté du camembert râpé. Du camembert, ça va dire plus. Du gruyère en morceaux, j'ai acheté du gruyère râpé. Ici, en préparant la recette, je vois gruyère. Bah oui, je me dis, mais pourquoi t'as été acheter du gruyère râpé? Bon, ça, c'est sûrement les hormones de fin de grossesse. Voilà, j'allais pas aller racheter un morceau de camembert pour... un morceau de camembert, ça va plus, hein, parce que je vois mon camembert qui est là. Un morceau de gruyère pour juste le râper avec vous. Ça arrive, j'ai pas fait attention. Et donc, ce sera du gruyère déjà râpé. Donc ça, on zappe cette étape. Donc 3 secondes, vitesse 10. Puis après, il fallait vider le bol. Moi, je commence à l'étape juste après. Donc premièrement, on va d'abord réaliser un mélange avec des oignons. Ouh, ça va plus. Des oignons, donc on va mettre ici, c'est 120 g d'oignons coupés en deux. Chez moi, ça faisait 2 petits oignons et donc ça fait 150 g. Voilà, c'est bon, hein, un peu plus, un peu moins, il n'y a pas de souci. À ça, on rajoute 200 g de carottes coupées en tronçons. Ensuite, on vient rajouter... 200 g de blanc de poireau également coupé en tronçons. Donc là, ça faisait pile un poireau chez moi. Comme ça, vous savez un petit peu au niveau du poids. Ensuite, 150 g de courgettes. Et donc là, justement, il me restait des baby courgettes au jardin. Donc vraiment des toutes petites courgettes jaunes et vertes qui n'ont quasi pas grandi. Et donc du coup, j'en ai profité pour les mettre. Donc il y a un petit peu plus. Il disait 150 et moi, il y a 200. Donc voilà, comme ça, vous savez, il y a un petit peu plus de légumes. Bon, c'est pas plus mal. Hop. Et ça, maintenant, on va mettre le couvercle, le gobelet doseur et on va venir mixer pendant 5 secondes à la vitesse 5. Juste le temps de prendre une spatule. Hop. Ok, j'avais oublié de préparer les spatules. Youps. Alors, ici, donc, ça fait du petit morceau. Enfin, des petits morceaux. C'est pas des tout petits morceaux parce que le but, c'est qu'il y ait quand même encore des morceaux dans la préparation. Donc voilà, je vous montre. Ça fait un mélange. Hein. Il a bien tout mélangé. Hop. Oh, salut Béa. Tu es là pour la première fois. Écoute, je pensais que tu assistais parfois au live. Donc voilà. Regardez. Donc il a vraiment fait des petits morceaux des petits morceaux. Ils sont moyens, quoi. Ce sera juste bien pour la lasagne. Donc voilà. Hop, alors je vois qu'il y a plein de gens qui me disent bonjour et tout. Je vous réponds bonjour aussi, mais je ne sais pas lire vos commentaires pour le moment. Donc voilà. Hop. Alors là, si par exemple je me dis c'est pas assez petit pour moi, je peux relancer 3-4 secondes, vitesse 5, c'est pas un souci. Moi, ça me convient parfaitement, donc j'ai pas besoin de faire plus, quoi. Hop.
Alors ici, je vais venir rajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Bon, moi je vais faire ça au pif, hein. Honnêtement, 2 cuillères à soupe. Hop, voilà, ça fait plus ou moins ça. En général, les cuillères à soupe, ça m'ennuie. Donc voilà, j'estime que ça fait plus ou moins ce que j'ai mis et c'est très bien. On insère le couvercle sans le gobelet doseur. Et donc là, justement, je voulais essayer de le mettre sur le Friends. On va voir, peut-être que ça passera pas. Pourquoi ? Parce que le Friends, il tourne que en sens inverse, que à la vitesse 2. Et s'il rencontre trop d'obstacles difficiles, il va pas continuer. Donc on va essayer. Je l'allume. Comme le TM6, j'appuie simplement sur le bouton et il s'allume tout seul. Je transvase le bol de mon TM6 sur mon Friends. Je mets ici mon couvercle. Je ne sais plus s'il fallait mettre le gobelet doseur ou pas. Sans le gobelet doseur. Hop, voilà. Et on va voir s'il veut bien se lancer ou pas en fonction de... Donc si c'est trop difficile pour mélanger. On va voir. Donc on programme 10 minutes. Hop, voilà. 120 degrés. Là, il demande de mettre le couvercle, mais c'est fait. Et on démarre à la vitesse 2. Non, il ne veut pas. Il ne veut pas, c'est trop dur. Je vais essayer de le lancer, mais voilà. Donc ça, c'est juste le petit inconvénient avec le Friends. Hein, c'est que quand c'est trop dur, il ne veut pas, il veut pas se lancer. Donc on va voir si en amorçant, il veut bien. Mais peut-être qu'il faudra le faire sur le Thermomix. Bah, c'est pas très grave. Hein. C'était pour essayer. On fait des tests, hein. C'est à ça que ça sert aussi. On va voir si... Voilà, j'ai un peu débloqué les aliments. Non, il veut pas. Il dit que c'est trop difficile. Non, voilà, ça sert à rien. Donc, je vais démarrer sur mon Thermomix. Et en fait, quand ce sera un petit peu lancé, je pourrais peut-être le remettre sur mon Friends. Mais même mon Thermomix, on entend, hein, il a du mal à démarrer parce qu'il y a quand même 800 grammes de légumes. En gros, enfin, gros morceau non, mais en tout cas un morceau un peu plus conséquent. Et donc voilà, c'est pas étonnant. C'est pas grave, c'est l'occasion de papoter. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, bon, vous avez vu, je me suis vraiment améliorée. Hein. J'essaye de faire une organisation structurée, etc. Donc, j'ai posté les lives cette semaine le mardi. Vous avez vu avec les petites infos, etc. Pour que vous puissiez faire vos courses pour aujourd'hui. Et pour dimanche, donc pas d'excuses pour dimanche, bah voilà, vous pourrez tous faire la recette des spider cookies avec moi. Et pour la petite info, moi je vais aller chercher tout ce qui est des petites décos, donc des petits yeux, des petites choses comme ça pour les décorer un peu en plus. Je vais aller près de chez moi au Moulin de Moulbé, je vais y aller demain parce que j'ai vu qu'ils avaient rentré toute une gamme de petites décos Halloween assez sympa. Et donc du coup, ce sera très sympa pour décorer les spider cookies. Donc voilà. Alors n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter. Ça c'était premier point. Enfin justement c'est pas plus mal que Iqui. Donc premier point, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter si vous voulez recevoir donc des petites infos, des astuces, des concours, des choses plus structurées par mail. Donc la première newsletter elle est bientôt finie. Je suis occupée de la fignoler et elle arrivera dans vos boîtes mail. Pour la première fois mardi à 10h, 10h pile, tout le monde devant son téléphone avec sa newsletter. Alors petite info, comme c'est la première fois, elle arrivera dans les indésirables. Donc ça je vais refaire un post sur Facebook pour le signaler. Elle va arriver dans les indésirables et quand elle arrive, eh bien si vous voulez la recevoir toutes les semaines aussi, il faut mettre comme quoi c'est un courrier désirable et comme ça bah, vous l'aurez après dans vos courriers classiques tous les mardis à 10h. Donc voilà. Alors, autre petite info aussi, aujourd'hui c'est le dernier jour pour commander le peeler, donc moi je dois envoyer la commande pour demain, ce qui veut dire qu'aujourd'hui c'est vraiment dernier délai. Je vais prendre un tout petit stock en plus, mais là je crois qu'on est déjà à genre 75 voire 80 peelers, donc je pense que je vais monter jusqu'à 100. J'en aurai un peu d'avance pour les personnes qui n'auront pas vu le poste, qui auront vu trop tard, etc. Mais une fois que les 100, enfin que les 20 supplémentaires ou quoi sont vendus, ce sera terminé. Hein. Donc, je ne pourrai pas vous en refournir. Maintenant, après, Thermomix va aussi en avoir, je suppose. Moi, c'est via eux que je commande. Donc, c'est via Thermomix Benelux. On nous a proposé cette opportunité de précommander pour les clientes pour qu'elles puissent déjà l'avoir. Mais moi-même, je ne l'ai pas encore. Donc, du coup, je ne sais pas
Je ne sais pas vous dire si ça fonctionne super bien. J'ai vu des vidéos qui m'ont totalement convaincue avec les pommes de terre, des navets, des carottes et tout. On s'inscrit où pour la newsletter? Sur mon site internet. Donc tu vas sur donc www.momixbyamandine.be et tout en bas, tu vas trouver l'onglet newsletter. Tu mets ton adresse mail, tu fais envoyer et directement tu seras intégré dans la newsletter qui va arriver donc pour la première fois mardi à 10h. Qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? Autre petite info, donc j'ai parlé de la newsletter, j'ai parlé de Biller. Oui, alors, je l'ai déjà dit à plusieurs personnes, je vais aussi faire un post par rapport à ça. Depuis maintenant 10 jours, 10-12 jours, je pense, en fait, peut-être même presque 2 semaines, je ne sais plus. J'ai engagé une assistante administrative en freelance et donc du coup, elle m'aide à gérer certaines choses, certaines réponses. Donc c'est-à-dire que elle répond au doux nom de Sophie, c'est tout ce que vous devez savoir. Et elle répond principalement aux mails pour le moment. Elle gère aussi d'autres choses pour moi en interne. Mais donc, quand vous m'envoyez un message Messenger, quand vous m'envoyez que vous me téléphoniez, etc., c'est toujours moi qui réponds. Si vous envoyez un mail à momixbyamandine@gmail.com, donc l'adresse mail professionnelle, et bien dans ce cas-là, c'est généralement Sophie qui va vous répondre. Bien sûr, elle communique toujours avec moi pour savoir qu'est-ce qu'elle doit vous répondre, etc. Parfois, si vous avez des petites questions. Mais donc, sachez que, parce que j'ai eu le cas cette semaine, plusieurs fois, des personnes qui me disaient « Oui, je te l'ai dit par mail et tout. » Je me dis « Qu'est-ce que tu m'as dit par mail ?» Et donc, du coup, voilà, je voulais vous le dire. Et je vais faire un petit post là-dessus aussi pour vous expliquer donc qu'elle m'aide au niveau administratif et pour plein d'autres petites choses. Mais voilà, vous, c'est surtout ça, c'est surtout cet aspect qui vous intéresse, c'est l'aspect des mails. Donc sachez que quand vous écrivez à momixbyamandine@gmail.com, eh bien, voilà, c'est, on va dire, 9 chances sur 10 que c'est Sophie qui réponde. Et si c'est moi, ben voilà. Ce qu'on va faire aussi à partir d'aujourd'hui, parce qu'au départ, elle signait toujours Amandine, ce qu'on va faire, c'est qu'elle va répondre Sophie quand elle répond, quand c'est elle qui répond, comme ça, vous le savez. Et ici, c'est moi, ce sera Amandine. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple à gérer. Et comme ça, vous savez tout. Donc voilà, je vais faire un petit post aussi hein, pour l'expliquer, pour lui souhaiter la bienvenue. Elle m'aide aussi pour les newsletters, pour faire des partenariats, enfin elle m'aide vraiment pour plein de choses. Voilà, c'est assez sympa, c'est grâce à elle aussi que tout peut se mettre en route et que tout peut avancer d'un coup. Parce que ben voilà, moi j'ai que 2 mains et puis j'ai que 24 heures dans une journée et il y a un moment où je dois quand même en consacrer, on va dire 8 pour dormir. J'ai aussi ma petite famille et... Ouais, je m'appelle Amandine moi. Oui, c'était pour repréciser. Voilà, au cas où vous ne le savez pas, moi c'est Amandine. Oui voilà, donc je disais, j'ai aussi ma petite famille et puis bah voilà, je suis avec vous tout le temps, je fais des ateliers, je fais des livraisons, je gère vraiment beaucoup de choses et donc il y a un moment où j'avais plus assez de temps pour faire tout ce que j'avais envie de faire et donc c'est pour ça que Sophie est venue me rejoindre en appui. On a pu, on va dire, caché, mais sachez qu'elle est bien là et qu'elle m'épaule. Donc voilà. Enchantée, je me présente, moi c'est Amandine, au cas où vous le saviez pas. Bon, c'est parce que alors, oui c'est vrai que comme j'ai posté le live sur YouTube, j'ai quand même expliqué qu'il y a plein de gens qui disent « Ah toi c'est Amandine » et tout, voilà. Donc pour la petite anecdote, c'est pour vous expliquer ça comme ça, voilà. Alors, qu'est-ce que j'allais dire ici? Il reste donc 3 minutes pour rissoler les légumes. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? J'avais autre chose à vous dire. Oui, on est demain, on est le 15 du mois, donc ça veut dire qu'il reste 15 jours pour la... Enfin, 15, 16, parce que c'est le 31. Mais il reste 16 jours pour la promotion avec le Thermomix Friends. Bien sûr, c'est toujours disponible tout seul aussi. Hein, vous pouvez toujours acquérir le Thermomix seul à 1 269 €. Et qui dit 15 jours pour la promo, dit aussi 15 jours avant que j'accouche. Parce que vous êtes nombreux à me demander, tiens, c'est pour quand et tout. Et donc, ben voilà, normalement, c'est prévu pour le 1er novembre. On est le 14 octobre, donc voilà, c'est prévu pour dans 15 jours, en gros. Pour le moment, tout va bien, je pète la forme, même si je me restreins quand même les 2 dernières semaines. Et puis, je le vois aussi avec vous, voilà,
On essaye de plus fixer des rendez-vous en vidéoconférence pour le moment. Sauf bien sûr bah, pour les démos Cobold et tout, c'est compliqué d'aller aspirer chez vous en vidéoconférence, hein, on va pas se le cacher. Et même pour Thermomix aussi, je viens encore ce matin, j'ai fait une petite démonstration très 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 sympa où je vous donnerai des nouvelles parce que j'ai fait des choses que je n'avais jamais faites. Donc voilà, j'ai découvert mon Thermomix avec une personne en particulier ce matin qui était une pâtissière professionnelle et elle m'a montré des choses au Thermomix, des trucs que je connaissais même pas. Je suis arrivée chez elle. Elle m'a parlé de termes que j'avais jamais entendus, alors que moi j'adore la pâtisserie. Et je me suis dit, waouh, aujourd'hui c'est moi en fait qui vais prendre un cours. Elle connaissait pas le Thermomix, donc elle était intéressée justement de pouvoir l'utiliser dans le cadre de son activité. Et donc on a combiné nos deux savoirs, moi mon savoir du Thermomix et elle son savoir de la pâtisserie. Et c'était assez sympa. Et donc, je vous ferai un petit post avec ça pour vous expliquer ce qu'on a fait. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Oui, c'est chouette, Mimi, j'ai vraiment trouvé ça très sympa aussi. Et je suis impatiente de voir aussi tout ce qu'elle va en faire et tout par après, donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Eh bien, je ne sais plus. Je sais que j'avais plusieurs choses à vous dire ce soir par rapport à des petites choses comme ça. Donc pour le pillar, je vous en ai parlé, la newsletter, j'en ai parlé. Au niveau de la newsletter justement, donc vous le savez, je recherche des partenaires pour vous faire des cadeaux. C'est vraiment le but. Un partenaire par mois, d'avoir un partenaire avec un concours chaque mois qui se fera via la newsletter avec un espèce de petit sponsoring, etc. Donc vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé des messages par rapport à vos activités. Il y a peu de choses qui se combinent avec le Thermomix pour le moment. Mais sachez que je vous oublie pas, enfin je vous ai répondu à chacun hein. Mais en tout cas pour le moment ce que je recherche vraiment c'est un rapport avec la cuisine. C'est un peu le but hein, puisque c'est le Thermomix. Donc, que ce soit des assiettes, des petits couverts, enfin des assiettes, j'ai déjà un contact. Donc, enfin des assiettes, j'ai une de mes clientes qui fait des magnifiques assiettes de poterie maison, qui fait des trucs magnifiques. Donc, je dois avoir avec elle pour régler ça. Elle est déjà au courant de toute façon. Par exemple un gaufrier, voilà des petites choses comme ça. Si vous êtes commerçant et tout et que vous voulez faire un concours avec moi, eh bien voilà, sachez qu'on peut en discuter. Il y a le chat qui fait ses griffes juste devant moi là par terre et il fait bien du bruit, je sais pas si vous l'entendez mais voilà. Ok, il a terminé. Donc transvaser dans un récipient et réserver. Alors je vais retransvaser du coup dans un récipient. J'avais prévu l'autre bol. En me disant qu'au départ ça allait peut-être fonctionner avec le Friends, mais c'était trop lourd. Hein. Donc, du coup, je vais simplement transvaser mes légumes dans, à mon avis, deux bols. Donc, ici, voilà, ça a bien diminué. Hein. Les légumes, ils ont cuit 10 minutes à 120 degrés. Ils sont super bien cuits. Hop. Alors, par contre, on n'a pas mis d'épices. Ouais, mais après, la béchamel au camembert, je pense que ça va être pas mal. Hein. Donc, je pense que ça aura plein de goût. Donc ici, je transvase mes légumes dans mon bol. Je vais faire directement deux bols. De toute façon, j'en avais deux ici, derrière de mes légumes qui étaient crus. Donc c'est l'occasion de les réutiliser. Hop. Voilà. Oups. Alors. Hop. Donc... maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la béchamel au camembert. Ça, c'est assez original. Hein. Jamais fait. Moi, je ne sais pas si vous avez déjà fait une béchamel au camembert. J'adore le camembert en plus. Donc, du coup, c'était l'occasion. Quand j'ai vu cette recette, je me suis dit, oh ouais, ça a l'air super bon. Ça a l'air bien gourmand. Et puis, du coup aussi, peut-être un petit peu calorique. Un petit peu. Hop. Et voilà. Ok. Oups. Alors, donc ça je mets derrière. Je mets mes légumes. Je les tiens bien au chaud. Oui, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, voilà. C'est des légumes cuits, hein. C'est chaud. Je vous montre, mais en gros, voilà, c'est des légumes cuits. donc, c'est rien de waouh. Mais c'est ce qu'il nous faut.
Allez, on continue. Nettoyer le bol. Ça, c'est vraiment le genre de truc que j'ai absolument pas envie de faire à ce stade. Préchauffer le four à 180 degrés, ça, je veux bien le faire. Donc, alors, hop, on préchauffe donc à 180. Et ensuite, il va me dire de mettre 40 grammes de farine de blé pour faire la béchamel. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir la voie de la super facilité et je vais prendre mon deuxième bol et je vais faire comme si mon bol était propre. Je n'ai absolument pas envie d'aller le nettoyer. Donc, bah, je le nettoierai plus tard, hein, mais pas maintenant. Ok, voilà, donc je fais tard et je mets 40 g de farine de blé. Hop. Alors, je vais prendre une cuillère ici. Oups. Voilà. Donc, béchamel en mode automatique. Le mode sauce, ça c'est un mode génial. Je sais pas vous, mais moi avant d'avoir un Thermomix, la béchamel c'était une sauce un peu capricieuse. Hein, on va pas se mentir, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire. Soit c'est trop liquide, soit c'est trop compact, ou alors il y a des grumeaux, faut la mixer, faut la refaire, c'est vraiment galère, c'est chiant. En plus de ça, il faut rester devant sa casserole pendant bien 15 minutes, le temps de touiller et tout, d'avoir la consistance voulue. Bref, c'était vraiment la sauce que, voilà, je sais que quand je la commençais, j'étais sûre de finir avec mon mixeur plongeur pour pouvoir passer ma béchamel parce qu'elle était trop compacte souvent et puis pleine de grumeaux. Et donc bah, maintenant, voilà, depuis que j'ai un Thermomix, ça c'est le bonheur, il fait tout seul. Donc, on a mis 40 g de farine de blé, il faut mettre 40 g de beurre demi-sel. Bon, il me restait 14 g de beurre demi-sel, donc du coup, je vais utiliser... un autre beurre classique, c'est pas un problème, hein. Le beurre demi-sel, c'est juste que ça apporte une touche de sel en plus. Donc après, il suffit de rajouter une petite pincée de sel et ce sera bon. Hop. Alors, 40 grammes. Donc là, il y a 27 au total. Hop. Et là, 37, je vais rajouter une petite larmichette. Oups, et là il y a 43. Ok, c'est bon comme ça. Oups. Après, on rajoute 500 g de lait. Ça, c'est ce que j'adore. À la poêle, à la casserole, c'est tout à fait impossible de faire ce qu'on est occupé de faire. Je peux pas mettre tous mes ingrédients comme ça, sans rien mélanger, sans rien faire fondre, sans faire chauffer ou quoi. C'est impossible parce que si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Bah, déjà, ça ressemblera à rien du tout. Ici, ben voilà, c'est génial. Je mets tous mes ingrédients les uns après les autres et il va me faire une béchamel absolument parfaite, une consistance magnifique, ni trop liquide, ni trop épaisse. Il n'y aura aucun grumeau. En fait, ça, c'est le mode sauce automatique. C'est un des modes que je préfère à ce niveau-là pour tout faire. C'est vraiment le top. Alors, ensuite, on rajoute maintenant du sel. Donc, une demi-cuillère à café, ben, moi, c'est... voilà. Comme ça. C'est un petit peu à pouf. Une demi-cuillère à café de poivre, même chose. Je prends mon moulin et je viens poivrer. Moi, j'aime bien le poivre. Donc, vous le savez, je mets quand même un peu plus de poivre. Mais ici, c'est un mélange de... C'est un poivre 5B, celui-ci. Donc, voilà. Comme ça, vous savez, pour ceux qui se posent la question, c'est un mélange de poivre. Ensuite, 4 pincées de noix de muscade. Alors là, j'ai le pire moulin à muscade au monde. Il est... je ne vais pas citer la marque, mais franchement, c'est vraiment pas... ça, il ne marche pas bien, quoi. Donc, surtout, n'achetez pas celui-là. Alors, hop, ben voilà, il est ouvert, il ne tient pas. C'est vraiment une catastrophe. Je ne sais même pas si j'aurai de la noix de muscade aujourd'hui avec mon super moulin. Donc, je fais... Hop. Alors, je vais reprendre juste un morceau et essayer de le faire comme ça. On va voir s'il veut bien, mais voilà. Si vous avez une bonne marque de moulin noix de muscade... Ah, voilà, là, ça y est, ça marche. Eh bien, franchement, dites-le moi parce que celui-là, j'en suis hyper déçue. Et pourtant, c'est une grande marque. Donc, voilà. C'est pas n'importe quoi. Hop. Bon, là, je pense que ça suffit. Je sais pas trop parce que j'ai mis tellement de poivre qu'en fait, je vois plus la muscade qui tombe. Tout est brun. Je vois pas la différence.
Alors, ensuite, on insère le couvercle et le gobelet doseur. Bah, du coup, en fait, celui-ci, je vais le garder propre. Je vais remettre mon couvercle des légumes où il n'y a rien dessus. Comme ça, soyons intelligents. Hein. Et maintenant, on vient mettre 7 minutes 98 degrés. Vitesse, je vois rien du tout. 3. Voilà. Hop, c'est parfait. Alors, la muscade, je viendrai nettoyer ça après. Je vais mettre ça sur le côté. Voilà. Je vais mettre mon moulin derrière. Mais donc, en tout cas, voilà, je vous dis... Enfin, si vous avez des bonnes marques, mais vraiment une bonne marque hein, de moulin, eh bien, dites-le moi parce que je vous dis, je suis désespérée. C'est vraiment triste. Ok, là, il tourne tout seul, on est tranquille, il fait la béchamel. Une fois qu'il a terminé, on va commencer à superposer les couches de lasagne, de béchamel, de béchamel au camembert, de légumes et de jambon. Donc voilà, rien de tel que la râpe à muscade de mamie. Oui, c'est vrai, mais j'ai pas envie de faire ça comme ça. J'aime bien le petit système qui tourne. Je trouve ça plus sympa quand ça fonctionne, en tout cas. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Oui, ici... Ah, mais je vais peut-être couper mon camembert. Alors, pour le camembert, il n'est pas noté si on met avec la... Avec la plure, mais c'est pas la plure, la croûte, ça va plus, avec la croûte ou pas, donc du coup, on va voir quoi. Alors, je le fais à la râpe, la noix de muscade, donc je lis un petit peu. Hein. Toi, tu fais une lasagne bolo pour ce soir, bah super. Est-ce que j'ai d'autres personnes qui m'ont dit. Alors, je vois, en fait, ça bug à mort parce que je vois 45 fois la même personne avec le même commentaire, donc je suis obligée de remonter. Très loin pour voir d'autres commentaires et bah voilà, là j'ai 45 fois les commentaires les mêmes. Alors ici, après les choux de Bruxelles, c'est tout ce qu'il faut pour ma ligne, pour une fois je suis en avance sur toi, j'ai mis la croûte. Déjà ? T'es en avance ? Comment ça se fait que t'es en avance sur moi ? Non mais, c'est pas possible, pourtant j'ai pas traîné, si, parce que j'ai traîné. Et en plus de ça, j'ai même pas râpé le fromage, donc oui, t'es bien en avance. Ou alors c'est que t'as commencé plus tôt, t'as peut-être commencé à l'heure aussi, moi j'ai commencé 5 minutes en retard, donc si t'as commencé à l'heure, du coup, t'es en avance. Chantal qui fait en même temps, super, ben voilà, c'est très chouette, on cuisine ensemble ce soir, je trouve ça assez sympa parce que ben voilà, on cuisine ensemble tous les jeudis, tous les dimanches, et vous êtes de plus en plus aussi à cuisiner avec moi, faire... Pardon, j'ai avalé ma salive de travers. Donc je disais, vous êtes de plus en plus à faire les recettes avec moi en même temps, c'est super sympa. J'adore après voir vos réalisations aussi et c'est vraiment chouette de voir que, ben, voilà, que vous aimez bien les lives et que c'est une bonne ambiance quoi. Donc voilà. Et chaque fois que je vais chez des nouvelles personnes... Ah voilà, t'as commencé 10 minutes plus tôt, Caroline. Ok, c'est pour ça que t'es en avance. Ok, d'accord. Donc je disais, chaque fois que je vais chez des nouvelles personnes, bah, que ce soit pour une démo, pour livrer ou quoi, on me dit souvent, mais j'ai l'impression de te connaître parce que bah, je te vois tout le temps en live et j'ai l'impression que bah, t'es ma copine en fait. Et voilà, c'est assez sympa parce que bah, moi forcément, vis-à-vis de vous, enfin j'ai pas forcément cette impression parce que je vous connais pas ou voilà, mais en général ça se passe toujours super bien et le contact passe tout de suite, mais c'est très sympa, parfois on ouvre la porte, on me dit « Ah comment ça va ?» puis on se dit « Ah ouais mais en fait on se connaît pas !» Donc voilà, c'est vraiment très très chouette d'arriver chez vous et d'avoir l'impression en fait d'atterrir moi chez une copine que je connais depuis des années, donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'allais dire sinon? Je ne sais plus. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? J'ai encore un truc à vous dire, mais je ne sais plus c'est quoi que j'avais en tête en me disant ça, il ne faut pas que j'oublie de le dire en live ce soir. Donc, je récapitule. On a parlé de la newsletter, on a parlé des peelers, on a parlé de Sophie, on a parlé... On a parlé de quoi d'autre? On a parlé... je ne sais plus. Oui, des partenariats. Et on a parlé de... J'avais 5 trucs à... Il manque le petit dernier qui est là, mais qui ne veut pas sortir. Je ne sais plus c'est quoi. C'est pas très grave. Soit ça va me revenir, si ça ne me revient pas, bah, je vous enverrai... Enfin, je vous ferai un petit post quoi pour vous dire ah oui c'était ça le truc que j'avais oublié de vous dire en live, donc voilà.
Alors, ici, bah, je vais déjà couper mon camembert hein, en attendant qu'il ait fini de mélanger. Hop, donc je crois qu'il fallait 80 g de camembert. Bon, moi, c'est un camembert président. J'ai préféré prendre une marque parce que j'ai déjà testé plusieurs camemberts et en général, les camemberts marque blanche, je suis désolée, mais ça n'a aucun goût. Donc voilà, moi, le président, c'est un très bon camembert. Il a du goût et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Maintenant, rien ne vaut un camembert qui vient de chez un fromager, etc. C'est encore mieux. Hein. Mais ici, moi, j'ai été au Delhaize. Vous savez, c'est ma deuxième maison, le Delhaize. Et donc, du coup, bah, j'ai pris un camembert président. Alors, donc, comme tu as mis la croûte, Caroline, bah, je pense que je vais faire pareil. Je vais pas m'ennuyer. Je vais faire pareil que toi. Je vais mettre la croûte, je vais couper... je sais pas trop la taille des morceaux qu'il faut, mais je vais faire ça à pouf. Voilà. De toute façon, au pire, ça aura plus de goût que prévu. Ce sera bon. Alors, en soi, c'est pas hyper, hyper gras comme recette non plus, parce que, bon, ok, je fais la béchamel et tout, mais à part mon... Il y a quand même 40 g de beurre dans la béchamel, un petit peu d'huile d'olive pour rissoler les légumes, et le camembert, mais voilà, c'est pas non plus exceptionnellement gras, hein, c'est pas... Il y a une recette que j'ai faite il y a pas longtemps, il y avait 400 g de crème pour faire la sauce, ça c'est gras. Et en plus, Cédric m'avait dit ce jour-là, ah, c'est super bon, j'en veux bien encore. Je lui ai dit, il y a 400 g de crème dedans. Il me dit, ah non, j'en veux plus. Donc, voilà, c'était assez marrant. C'était, je ne sais plus, la semaine passée, je pense. Parce que bah, ça ne se sentait pas spécialement, en fait, que c'était de la crème. Donc, du coup, voilà. Et c'est vrai que c'était. En plus, c'était de la crème à 35 ou 40%. Hein. Vous savez, moi, j'utilise que ça. Parce que bah, ça a plus de tenue, plus de goût aussi. Et donc voilà, maintenant le problème c'est pas d'utiliser des aliments gras, sucrés, etc. Le problème c'est souvent les quantités, c'est qu'on en mange trop souvent. Si on fait les choses correctement et qu'on alimente une alimentation saine, c'est pas un problème d'utiliser un produit qui est très gras une fois. C'est pas un souci si je fais ça tous les jours, là ça devient un problème. Mais ici, je vous rassure, il n'y a pas de problème. Alors, 80 g de camembert coupé en morceaux. Donc, hop. Voilà, alors je fais tarte, enfin j'oublie pas de tarer, hein, parce que donc ma balance qui pèse au gramme près au niveau du Thermomix, elle s'est mise à zéro avec mon couvercle. Donc voilà, hop, bah, je serai bon en fait, hein. Bon, je suis à 80 mais il reste deux petits morceaux, je vais les mettre. Hein. Hop. Voilà, il y aura 100 grammes chez moi, comme ça vous savez. 40 grammes de fromage frais à tartiner. Hop. Donc je referme mon camembert. Voilà. Et là, bah, du coup, je prends le Philadelphia de mon live où j'ai eu besoin pour faire la crème cheese. Vous savez, la crème cheese citron vanille qui était vraiment super bonne d'ailleurs. On a tous adoré les cupcakes. Franchement, c'était une très belle découverte parce que c'était pas trop sucré avec le potiron. C'était délicieux. C'était très doux, mais on savait pas dire que c'était du potiron. C'était vraiment une très 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 bonne recette quoi. Waouh! Alors là, vous n'allez pas me croire, j'ai mis pile 40 grammes. Ça, je suis fière de moi. Bravo à moi-même. Voilà. Hop, on insère le couvercle et le gobelet doseur. Youps, et on vient mélanger 2 minutes à la vitesse 3. C'est tout, à la vitesse 3. Ça, je mets au frigo en attendant et je vais préparer maintenant pour faire ma lasagne. Donc, j'utilise un plat à gratin en verre cette fois-ci. Je préfère parce que comme ça, le fond est bien plat. Donc, j'utilise pas autre chose parce qu'il y a certains qui ont un fond bombé. Et ici, je veux un fond bien plat pour faire ma lasagne. C'est plus pratique. Hop, alors, je viens ouvrir ici mon paquet qui a été super bien refermé. Tellement bien fermé que je ne sais même pas comment je vais l'ouvrir. Donc, je vais devoir couper les petits liens parce que là, je ne sais pas l'ouvrir comme ça. Hop. Non, mais vraiment pas. Oups. Voilà. Hop. Ok. Allez, ouvre-toi. Hop. Bon, là, il est vraiment fermé. Voilà. Ok.
Alors, donc ici j'utilise des pâtes à lasagne toutes faites, sèches, parce que clairement, d'abord, j'ai absolument pas eu le temps de faire de la pâte fraîche. Ensuite, deuxièmement, j'ai pas de la mie noire. Et j'ai fait la fois passée les tagliatelles maison sans la mie noire en coupant au couteau. Je peux vous assurer que c'est la dernière fois que je ferai des pâtes sans la mie noire. Donc, je n'en ferai plus. Donc voilà, c'était très très bon, mais la prochaine étape, c'est d'avoir une machine à pâte, un laminoir, quelque chose où je mets la boule de pâte dedans et où ça sort tout seul. Ça, c'est clair et net. Parce que c'était quand même énormément de travail, hein, d'étaler, de couper, faire sécher et tout. C'est quand ça sort tout fait et qu'on n'a qu'à couper, quand ça sort, c'est quand même beaucoup plus sympa pour au moins déjà laminer, que ce soit bien, bien plat, parce que là, il a fallu l'étaler à la main et donc c'est quand même plus physique. Hein. On va pas se le cacher. Alors, allez, on commence. Donc ici, je vais un tout petit peu tourner le Thermomix pour voir ce qui marque, parce que sinon, pas grand-chose. Donc, garnir le fond d'un plat à gratin d'une couche de béchamel. Ok. Hop. Donc, je prends la béchamel, hop, qui est absolument parfaite. Oups. Voilà. Donc, je ne vais pas en mettre de trop, hein, parce qu'il faut quand même qu'il en reste pour la suite. Je vais mettre... le bol ici. Oh, ça sent bon, camembert. Ça sent vraiment le fromage, ça sent bon. Hop. Ok. Une belle béchamel. Ensuite, couvrir d'une couche de feuilles de lasagne. Hop. Très facile. Je prends donc mes feuilles de lasagne qui ne passent pas comme ça. Je vais en mettre hop, une là. Une ici. Je vais un petit peu les recouper. Voilà. Ça, c'est un peu... au feeling, mettre ici un petit morceau et voilà. Ok, ensuite parsemer de légumes. Hop, mettre ça ici. Les légumes sont juste ici derrière. Donc là, il y a une belle couche de légumes, donc on n'hésite pas. Hop, on peut en mettre vraiment une belle couche. Hop, voilà. Alors, oups. Donc c'est bien parce que les légumes sont encore très légèrement croquants. Enfin, je les ai pas goûtés, hein, mais je sens que les petites carottes, par exemple, sont croquantes. Et du coup, avec la chaleur du four, bah, ça va vraiment faire quelque chose de fondant. Ça va être super bon. Donc il y a quand même beaucoup de légumes, hein, c'est très sympa. Hop, voilà, je fais une belle couche. Oups. Ensuite, on vient mettre le jambon. Oups, ouais, c'est ça. Et puis on vient parsemer de jambon. Donc le jambon, il fallait 200 g de petits dés de jambon. Donc du coup, moi je pense que je vais faire deux couches. Et donc je vais mettre un paquet. Donc c'est des petits dés de jambon classiques. Voilà. Je vais mettre un paquet à cet étage-ci et un paquet à l'étage suivant. Hop. Voilà. Oups. C'est sympa comme recette à faire parce que ben, en fait, en soi, c'est assez rapide. C'est aussi quelque chose qu'on peut faire en système de batch cooking, donc c'est très sympa. On recommence jusqu'à ce qu'on ait plus de... Alors, oui, alors, ici il y a un petit bug sur mon Thermomix, c'est pour le moment sur quelques recettes. No stress, ça va être réglé, mais parfois le texte est trop haut en fait. Mais en gros, c'est renouveler jusqu'à épuisement des ingrédients en terminant par la béchamel et le gruyère. Donc ici, je mets du coup une couche de béchamel. Voilà, je garde un petit peu pour la dernière couche, on va mettre un tout petit peu plus, hop, ok, voilà, je vais étaler un petit peu avec ma cuillère, ça a l'air très gourmand comme plat, ça me plaît beaucoup, voilà, hop, ensuite je viens remettre donc des feuilles de lasagne. Du coup, là, je vais faire l'inverse. Je mets la grande de ce côté-là et la petite de l'autre côté. Hop, dans l'autre sens, ça ira mieux. Voilà. Je mets les petits morceaux sur les côtés pour combler les petits trous. Parfait. Ensuite, il fallait mettre les légumes. Donc, je vais mettre le restant de mon premier bol. Hop. Voilà. Et puis, ben, je vais chercher mon deuxième bol juste derrière. Et je rajoute ici bah, tout le restant de mes légumes en fait, hein, parce que je ne compte pas faire de troisième couche. Très clairement, au niveau de mon plat, je suis limitée.
Donc voilà, je fais deux couches moi. Ouais, ça a l'air... Je suis impatiente de déguster. Ça va être très bon, je pense. Hop, donc les légumes. Ok, belle couche de légumes. Pour ceux qui aiment bien manger des légumes, c'est top. Et moi j'aime bien, donc c'est parfait. Ensuite, on remet le deuxième paquet de jambon. Voilà. Ok. Hop. On vient également étaler. Hop. Magnifique. Ça va tout seul. Hyper facile à faire comme recette. On termine par la béchamel. Bah, donc là, c'est parfait. Je mets du coup le reste de ma béchamel. Et je viendrai ensuite mettre mon gruyère parapé maison. Comme je vous ai dit, j'ai les hormones de la grossesse, de fin de grossesse. Voilà. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé au magasin. En fait, il n'était pas précisé. Et du coup, je me suis dit, bah, du gruyère, ouais, c'est toujours râpé. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Et donc, voilà. Bon, c'est pas grave. Hop. Je suis sûre que vous ne m'en voudrez pas. J'en suis certaine. Hop. Ok, voilà. Youps, ça va être bien gourmand. Alors, ce qui est sympa aussi d'utiliser un plat en verre, ou enfin, ici c'est du Pyrex, ou si vous avez des plats à gratin, mais vraiment qui peuvent passer sous le grill, eh bien c'est sympa, on va pouvoir activer la dernière minute, quand c'est dans le four, la fonction grill pour avoir une belle croûte bien dorée de fromage. Moi, j'adore ça. Donc, voilà. Hop, on vient finir par une belle couche de gruyère. Alors 50 grammes, je trouve que c'est pas suffisant, donc étant donné que j'en ai encore, je vais en rajouter. Hop, ça fait pas beaucoup, 50 grammes, donc heureusement j'avais pris un paquet plus grand, hein. Donc je vais du coup rajouter, hop, plus de fromage pour plus de gourmandise. En plus, nous on adore les croûtes de fromage un peu style vous savez, enfin, comme sur les tartiflettes et tout. Ah ben, voilà. Là, il y aura une belle couche. Hein. Hop. Bon, en fait, je mets tout le paquet. Voilà, 150 grammes. Trois fois plus. Hop. Oh là là, ça va être bon. La taille de mon plat était juste parfaite. J'ai absolument pas regardé la taille du plat avant de commencer la recette. J'ai pris mon plat en verre typique pour ce genre de plat. Et Dieu merci, c'est juste bon. Donc voilà, là on a fini. Maintenant on va enfourner et cuire à 180 degrés pendant 10 minutes. Et puis ensuite, eh bien, on va servir aussitôt. Donc voilà, en tout cas c'est un très très beau plat. Je ne sais pas si vous voyez les couches et tout. Non, bah de là où vous êtes, vous ne voyez pas. Mais bon, en gros, voilà, c'est assez sympa comme visuel avant cuisson aussi. On voit bien que c'est gourmand et que ça a l'air très très bon. Et puis bah, voilà, une belle couche de fromage. Qui va gratiner. Donc je mets ça au four à 180 degrés 10 minutes. Hop. Et voilà, c'est parti. Et les 2-3 dernières minutes, je vais activer la fonction grill pour faire gratiner et avoir cette petite couche croustillante de fromage fondu. Voilà, voilà. Eh bien, c'est ici qu'on va se quitter pour le live d'aujourd'hui. Bien sûr, comme d'habitude, bah, je vous posterai la photo une fois que j'aurai découpé une belle petite part, mis dans une jolie assiette et que je vous aurai fait la photo et puis que j'aurai dégusté aussi. Je vous mettrai comment j'ai trouvé la recette, hein, comme à chaque fois, mes petites impressions, ce que je modifierai ou ce que je laisserai pareil. Et voilà, n'hésitez pas aussi à poster le résultat de votre recette puisque vous êtes plusieurs à l'avoir fait en live avec moi, si c'était bon, comment vous avez trouvé et tout. C'est toujours sympa d'avoir plusieurs amis. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée, un bon appétit et on se retrouve dimanche pour le live Spider Cookie. Donc on peut aussi faire d'autres choses, hein, faut avoir de l'imagination. Mais donc prévoyez des petites décos d'Halloween sympas, comme ça on va décorer nos cookies ensemble, ce sera assez sympa. Allez, bonne soirée à tous et à dimanche, salut !